Shalom, shalom à vous tous, shalom. De partout où vous êtes, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom chez vous. J'espère que tous nous allons bien. Comme promis dans notre poste de tout à l'heure, nous voici arrivés au moment où personnellement je voulais m'entretenir avec tous nos frères et sœurs que vous êtes à travers le monde, à travers de ce live fait à la fois sur Instagram et sur Facebook, Mike Alambay officiel bien sûr. Merci beaucoup de vous connecter, très nombreux. Et, dans les quelques minutes qui vont suivre, je vais devoir vous passer un message que j'estime être important pour nous. Voilà. Merci d'inviter les autres. Merci de vous connecter nombreux. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Allez-y, 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 allez-y. Nous étions nombreux du côté d'Instagram, mais après un moment, je me rends compte que je commençais à aller un peu de crescendo. Et par contre, ceux de Facebook commencent à me surplanter. Qu'est-ce qui se passe? La grande communauté sur Instagram, réagissez, réagissez. Merci pour vos cœurs, merci pour vos j'aime que je reçois avec beaucoup de chaleur. Merci beaucoup. J'aurais voulu qu'on se fixe un nombre de personnes en ligne qui, une fois atteint, on pouvait commencer. Je crois que je vais me permettre déjà de commencer. Et le reste vont nous rejoindre au fur et à mesure où nous serons en train d'évoluer. Ce qui est vrai, c'est que je ne nous prendrai pas beaucoup de temps, maximum 20 minutes, même moins que cela. Je crois qu'on aura pu dire. L'essentiel. Avant toute chose, j'aimerais que l'on prie ensemble. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes en ligne avec nombreux de nos frères et sœurs à travers le monde. Je prie au nom de Jésus pour deux choses. Parce que premièrement, que ta bénédiction soit notre partage. Parce que si nous nous retrouvons autour de toi et de ta personne. Mais deuxièmement, faire en sorte que tout ce que nous allons devoir nous dire en ce moment soit assaisonné de grâce et puisse apporter édification dans la vie de quelqu'un. Sois notre Dieu pour le reste du temps. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen. Voilà, je vous reviens après un long moment, je vais dire ça comme ça, où nous ne sommes pratiquement pas vus, nous n'avons pratiquement pas été ensemble autour d'un live comme c'est le cas ce soir. Alors, dû tout simplement au fait que nous étions très pris avec beaucoup, beaucoup de choses au même moment. Nous étions en plein enregistrement au studio, chose qui nous a pris comme ça de semaines, de mois et de mois. Nous avions déjà adopté un rythme où chaque jour on dormait demain, voilà. Mais par la grâce du Seigneur, toute chose a un début et une fin. Nous avons pu boucler avec les travaux au niveau du studio, mais bien évidemment, nous continuons avec plusieurs autres programmes. Au niveau de l'Église, nous sommes en train de passer de très bons moments, à savoir Doxa. Doxa, c'est la plus grande activité que nous avons chez nous à l'Église, dans sa présence church. C'est une retraite générale de toute l'Église, doublée d'un séminaire, de moment où nous venons, passant du temps dans la présence du Seigneur, passant du temps dans des prières intenses avec jeunes, bien sûr. Nous avons des modules de prière de la journée comme de la nuit. C'est la nuit où nous passons beaucoup plus de temps.
à l'église, a prié et le Seigneur a recherché sa face. Nous avons comme un peu déjà commencé à prendre l'atterrissage déjà depuis ce matin. Et tout à l'heure, nous avons notre réveillon. Nous, chez nous, nous avons toujours passé notre réveillon les 30, chose de pouvoir permettre aux parents d'être assez forts, en état de veille, vaquer à leurs occupations, mais surtout prendre soin des enfants en vue de la journée du premier. C'est une journée festive. Très généralement, ce que nous avons constaté, c'est que quand c'est le 31, les parents sont fatigués. Finalement, ils ne savent pas donner le meilleur aux enfants qui attendent fêter avec le premier. Alors, suite à cela, nous, chez nous, c'est le 30, comme c'est le cas aujourd'hui, juste après ce direct. De partout où vous êtes, je me permets de vous inviter. Vous pouvez déjà vous diriger vers dans sa présente church. Nous sommes au 160 l'avenue Kalembelembe, dans la commune de Kinshasa. Et comme référence, c'est le rond-point des Huileries. Dès que vous êtes là, vous êtes déjà arrivé. Vous pouvez même vous renseigner auprès de passants, auprès de tout le monde. C'est où? Dans sa présente church. Hein? N'importe qui peut vous indiquer. Vous êtes les bienvenus déjà, venez très nombreux, nous passerons des très bons moments dans la présence du Seigneur, et ça c'est dans peu de temps, déjà dans 2 minutes, il sera 22h, et au plus tard 22h30, nous aurons déjà commencé avec le réveillon. Voilà. Alors, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais également saisir cette opportunité pour vous présenter mes vœux le meilleur. Je sais que cette année 2022 n'a pas été facile pour plusieurs d'entre nous. Elle a été peut-être douce pour certains, mais pour certains autres, c'était quand même une année tumultueuse. Et malgré cela, nous avons vu la main de Dieu, nous avons expérimenté l'accompagnement du Seigneur. Et nous voici arrivés en fin d'année et nous pouvons déjà sentir combien l'année 2023 pointe déjà à l'horizon. Ma prière pour nous tous, c'est que le Seigneur puisse nous bénir et qu'en 2023, nous soyons en mesure de réaliser nos rêves mais les plus forts. Que cette année 2023 soit meilleure pour tout un chacun de nous, pour chacune de nos familles. Mes vœux le meilleur, mes vœux de santé, mes vœux de prospérité, de bonheur, bref, mes vœux de bénédiction pour nos familles et pour nos vies respectives. Puisse le Seigneur vous bénir encore et encore. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais également, je suis très conscient de l'amour et de l'attention que vous avez témoigné à notre personne toutes les fois que nous n'avons pas arrêté de vous balancer quelque chose, poster quelque chose en rapport avec notre album dont vous avez révélé les titres récemment, Dieu en toutes circonstances. Merci pour l'attention, merci pour tout l'amour, merci pour tout ce que vous avez pu donner de bien à notre personne, à notre gars, en rapport avec cet album. Je pouvais recevoir, le sentir au travers de vos commentaires, au travers de vos messages, même vos appels. Mais finalement, à quand, Pasteur Mike? À quand l'album? Nous sommes fatigués, nous sommes impatients. Et voilà, je vous reviens aujourd'hui pour vous confirmer, alors que nous sommes fin prêts. Gardez encore votre patience. Je crois que dans les jours qui viennent, nous vous annoncerons exactement. Dans les heures d'ailleurs même qui viennent, pourquoi pas, nous vous annoncerons exactement quand est-ce que cet album sera disponible chez vous. Mais je suis là particulièrement ce soir pour vous donner une très bonne nouvelle. C'est que déjà demain 31 décembre 2022, je vous promets qu'à partir des 18h de Kinshasa, vous aurez une surprise. Vous aurez une surprise. Déjà aujourd'hui même, à minuit, vous tous qui êtes connectés, qui s'est ressourcés sur,
nos plateformes, Deezer, Spotify, Apple Music et tout ce qui va avec. Vous retrouverez déjà cette surprise aujourd'hui à partir de minuit. Et demain, 31 de, décembre, vous aurez les clips. Vous aurez un clip merveilleux. Vous aurez un avant-goût. Une chanson qui va justement de, nous permettre de pouvoir fêter, passer nos moments de fête en toute... on dit quoi là-bas ? En toute quiétude, et je crois que le Seigneur n'arrêtera pas de nous faire du bien au travers de cette surprise. Restez connectés sur Mike Alamba officiel, que ce soit sur Facebook comme sur Instagram, mais surtout sur notre compte YouTube, parce que je crois que c'est au travers de ce compte YouTube que nous serons approvisionnés. Restez connectés également sur, le compte YouTube de Majabu Gospel. Je crois que vous serez bénis, mais vraiment bénis. Et je suis conscient également de quelque chose, c'est que je suis allé dans une direction où plusieurs d'entre vous, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une direction dans laquelle, une direction que nous avons l'habitude d'emprunter. Nous avons essayé de prendre un peu le risque, mais tout ça dans le but de vous édifier, dans le but de vous permettre justement de passer vos moments de fête, mais vraiment avec beaucoup de joie. Que le Seigneur vous bénisse. Restez scotchés, restez connectés. Demain à 18h, je ne vous en dirai pas plus, mais demain à 18h, vous aurez une surprise. Mais cette surprise, c'est une surprise agréable. Vraiment une surprise agréable. Vous me direz quoi dans vos commentaires, vous me direz quoi dans vos messages, même les appels, que réellement ça, c'était une très bonne surprise. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on ne s'est pas dit, mais sinon je crois que le gros du message, nous l'avons passé. Merci beaucoup, merci pour tous ces commentaires gentils que je suis en train de voir là-bas, du côté de Facebook et même du côté Instagram. Ah, c'est off de l'autre côté, je ne sais pas pourquoi. Bon, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Restez connectés. Demain, à partir de 18h, heure de Kinshasa, nous allons vous déballer une surprise agréable qui va vous faire beaucoup de bien. Qui va vous faire beaucoup de bien. Dieu vous bénisse pour vous être connectés si nombreux. Et je crois que le Seigneur n'arrêtera pas de nous faire du bien. Encore une fois, shalom chez vous. Merci. Allez, à demain, 18h. Que tout ce qui respire l'éternel O te mananga le komi sayo Babanto nanga le sanjo la yo Po oyonga na zo mona ilongo li bonza mena yote Oyo tozo vivre ilongo li bonza mena yote Laisse mon cœur te louer Seigneur Et te roi atapona ya mbaloyo Kolo o te mananga Come sei io Oh Yahweh con mamma Oh Yahweh con mamma na yo E l'ombe Yahweh con mamma na yo Oh Yahweh con mamma Atanano na balite Na koko mi sei io Ataso che na botite Na kosanjo na io Taba pasi elien toto Tope la maladio yo nabike te kolo Ni ambalo yembo nanga Oh, yawe kumama Oh, yawe kumama na yawe Elombe, yawe kumama Libanga nata